donc ça c'est ma tête après avoir compris que j'étais enfermé à l'arrière de la camionnette de trois gaillards que je connaissais absolument pas. Le tout sur une île à 10 000 km de la France que je connais encore moins. Ah Bubule, qu'est-ce que je ferais pas sans toi? Bon, rassurez-vous, même si ça sonne comme un plan foireux d'autostoppeur, sur le papier, j'étais consentant. C'est parti. J'étais consentant parce que ces mecs c'est en fait l'équipe de Spectra 974, constituée de David, son fils Tristan et leur pote Lorenzo. C'est clairement les références quand on parle d'urbex à la Réunion. Absolument tout le monde les connaît, et ils ont une façon de faire de l'urbex bien différente de la mienne. Car ils font ce qu'on appelle des enquêtes paranormales. Ils font la plupart de leurs images la nuit, ils dorment sur place pour avoir un maximum d'éléments et restent discrets. Vous le verrez, de toute façon, ils ont une bien meilleure maîtrise du rapport avec les forces de l'ordre. Du coup, en débutant mes recherches, je les ai contactés pour faire une vidéo avec eux. 48 heures plus tard, j'étais greffé sur leur expédition. J'en avais pour plusieurs heures à l'arrière dans le noir sur un trajet qu'on appelle la route des 400 virages, ayant pour destination un petit village créole perché à 1200 mètres dans les hauteurs de l'île, Sillaos. Bon, ça y est, on est arrivé. La zone étudiée était un immense complexe hôtelier ayant pour réputation d'être hanté. J'ai tendance à être sceptique sur ce genre d'histoire. C'est pourquoi dormir sur place me posait pas spécialement problème. On est quand même arrivé deux jours, histoire de faire un état des lieux pour éviter un accident, car certains endroits étaient franchement assez difficiles d'accès. Ouais, je sais. Putain, ils ont tout barricadé. Ok. Ça fait quand même un bon petit trou. Ça donne pas envie. Il y a un accès, le problème c'est que si je descends, je suis pas sûr de pouvoir remonter. Oh le con! Oh le fou! Vas-y, si tu veux venir. Faut répartir le poids sur les... Ah c'est toi, putain j'ai flippé. Ah. C'est bon. C'est filmé tout ça. Ok. Oh, c'est faisable, je vois qu'il y a une porte ici. Wow.
La nuit commençait à tomber, le temps pour les esprits malveillants de se réveiller autour de nous et que l'équipe de Spectra m'éclaire un petit peu sur le folklore de l'île. De mon côté, en discutant avec pas mal de locaux, j'avais déjà entendu parler de l'histoire de Grand Mercal. Ça avait l'air d'être assez pris au sérieux sur cette partie de l'île, surtout au mois de novembre. Le mois des morts, des croyants, et ils sont nombreux à la Réunion, subissaient un fort impact sur leur quotidien. Pas de couvre-feu ici, mais au mois de novembre, vaut mieux pas tarder à rentrer chez toi le soir, parce qu'il y a cette menace qui plane, celle de Grand Mercal. A la base, c'est une légende pour effrayer les gosses dans les histoires. Te fous pas de ma gueule, c'est comme ça que ça s'écrit, c'est du créole. Mais pour certains, elle aurait vraiment existé, sous le nom de Madame des Bassins. Ça remonte à l'époque de l'esclavage, où cette riche propriétaire avait tendance à faire passer ses nerfs de façon pas très worse à ses esclaves. Forcément, un jour, elle s'est fait soulever la jugulaire à coups de machette, et depuis, elle hante certaines terres de l'île. Aujourd'hui, c'est une sorte de sorcière qui aurait la fâcheuse tendance à bouffer des gosses. Je me demande pas comment, parce que du coup, d'après la légende, elle serait aussi décapitée et errerait avec un chapeau comme prolongement de son cou. Le soir, elle annoncerait sa venue par un ricanement lointain, ou en prenant l'apparence d'un oiseau noir maléfique. Sans déconner, comme s'il n'y avait pas assez de piaf sur cette île. Bref, on s'est donc speedé de faire l'enquête paranormale avant la fin du mois de novembre, car d'après l'équipe, même si c'est nécessaire de cumuler les informations sur plus d'années pour être pertinent, ils doivent avouer que jusqu'à présent, les mois de novembre ont été plutôt fructueux. Non, là-bas, non. C'est pas les mecs qui font un truc un peu esprit bizarre, là ? C'était bizarre. Ouais, les trucs un peu. Paranormal. Ouais, dans une mettre là-dedans. Mais non, mais on rentre pas là. De toute façon, il n'y a aucun accès. Donc, on rentre pas. Jamais on rentre pas, quoi. Jamais on rentre. Vous êtes déjà allé là-bas ? Où ? Là-bas, on était faire la journée. La journée, on a été. On est allé repérer les lieux pour voir pour, par rapport au danger. C'est pour éviter les accidents. Ok, donc ça, détecteur EMF, ok, nickel, zéro. Et si ça vient augmenter de manière significative, bah ça c'est... ça augmente en réalité. Ouais, si ça augmente de 1 ou 2, ça sert à rien, mais par contre ça fait un gros pic d'un coup, là, on peut se poser la question. Ici, on a fait ce bâtiment-ci, le grand hôtel quand il était ouvert, parce que là maintenant c'est plus possible. Et du coup, on va dans le bâtiment derrière, où il y a déjà une personne qui vit là, apparemment. Ok. Moi je vais commencer par là, je vais aller par là. Bah je te suis très sûr. Ok, bon là on est arrivé au spot. Je vais aller voir un petit peu comment ils font pour gérer leur enquête. Je vais voir un petit peu comment ils procèdent. Je vais éviter de rester sous l'eau trop longtemps. Merde, je les ai déjà perdus. Alors dis-moi comment tu procèdes du coup pour. En général, faire je me présente. Ouais. De ouais. Qu'ils puissent me parler dans le micro. Ça a pu beaucoup à essayer de les faire parler parce qu'on trouve quand même que c'est des preuves entre guillemets hein, ouais. Assez probantes parce que quand on entend une voix qui chuchote alors qu'elle vient pas de nous. Tu les entends sur le moment ou tu les entends après ? Non, tu les entends à l'écoute des rushs. Ok. En général, quand on entend une voix à l'oreille nue, c'est ce qu'on appelle un phénomène de voix directe. Ouais. C'est très rare. Ok. C'est arrivé une fois à David. Et en général, les PVE, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu les entends pas à l'oreille, mais les PVE. Tu les entends dans les rushs. PVE, phénomène de voix électronique. Ok. C'est toujours surprenant, même nous, okay. On n'a jamais à s'habituer dès qu'on entend une voix. Et en plus, si ça correspond vraiment à la réponse à une question, c'est surtout ça. Et t'as déjà eu quoi comme réponse à une question ouverte ou... Le dernier souvenir que j'ai, c'est lui qui dit très distinctement « j'ai peur ». Ça fait « j'ai peur ». Ouais. Oh putain. Alors là, c'est un dictaphone numérique pour que ça capte le plus loin possible. Ouais. Et on va essayer. T'as entendu ? Ouais. Il y a quelqu'un ici ? Si oui, vous pouvez refaire ce bruit ? Il faut vous approcher tranquillement et nous parler. Est-ce que vous êtes bien ici ? Vous pouvez faire un bruit ?
des gens qui nous ont dit que c'était hanté ici. Est-ce que c'est vrai? Vous pouvez me répondre par oui ou par non? Ok, fin de la séance. C'est trop lointain, on le met pas en avant parce que sur YouTube, après, tu perds de la qualité. Allez, venez, on est tout seul. Approchez-vous de nous et essayez de parler dans ce micro. Bon, je sens qu'il faut aller carrément. Vous êtes énorme, femme. Carrément en bas au cinéma. Bonsoir. Au début, j'étais assez sceptique. Je le suis toujours, ne vous inquiétez pas. Mais je dois dire que ça met dans l'ambiance. Il y a quelqu'un ? Oh putain. Allez, ça suffit les conneries. On dégage de là. Okay. Et le mec, il est sorti. Et il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'ai dit, vous inquiétez pas, on fait une vidéo. Il me fait, Et là, tu crois que c'était la police avec vos lumières du GIGN? Ah. Non, mais il a dû se rappeler aussi de vous cet après-midi. Ils se disent, bah, c'est même. Oh putain, elle veut plus s'allumer. La lumière veut plus s'allumer. C'est un des esprits qui... Ça, c'est une preuve, ça. Mais je te jure qu'elle veut plus s'allumer. Il y a juste de la couper. Ellen Johnson, rallumez cette lumière. Des bois. Ah non, celle-là, elle est vide de vide. Et normalement, tu sais quoi, celle-là, elle s'arrête jamais net. Elle se baisse d'intensité et après... Elle s'arrête, mais... Écoute, ça sera vérifié à la maison, en la chargeant, voir si ça marche toujours, ou si elle aurait cramé des fils. La batterie ? Ouais, voilà. Il faudra vérifier la batterie, ouais. Voilà. S'il y a quoi que ce soit qui apparaît là, je ne sais même pas si je suis capable de le reconnaître, en fait. C'est quoi ce truc qui bouge, là ? Ok, peut-être je dis de la merde, T'emballe pas pour elle. Allez, on va éteindre la lumière quelques minutes, si ça peut vous rassurer. Vous voyez la petite lumière rouge? On est complètement dans le noir, vous pouvez vous approcher sans crainte. Je sais pas, je croyais qu'il doit y avoir un animal. Ah, ça en va? Non, il y avait un truc là dans le toit. Ouais, où ça? Vers là. T'as entendu comme moi? Juste derrière là. Mais il me semble que, ouais, un animal sur le toit. Eh non, c'est plancher béton ça. Ah ouais? En fait, il faisait des coffrages avec les toiles. Ouais? Ouais, on va monter à l'étage.
The Shining. Oh, ça résonne. Wow. Ok la mif, il doit être 3h du mat sûrement, je suis dans mon hamac, rien de paranormal, je viens de me taper un gros stress, donc là je vlog un petit peu ce qui vient de se passer, plus pour me rassurer et pour faire peur à l'éventuelle personne qui se trouvait là, mais du coup là je suis juste à côté du camion, le feu s'est éteint, y a quelqu'un ? J'ai cru voir quelqu'un. Là, là un renois accroupi dans ce trou là de végétation. Parce que là-bas. Bon après les bruits, c'est fort probable que ce soit des bestioles, mais j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui tournent trop autour. Bref, je suis pas de ouf rassuré. Donc je vais laisser le flash un petit peu allumé avant de me rendormir. C'est parti. Il s'est passé des choses pendant cette nuit, on va revenir un petit peu sur ça, on va analyser les images ensemble. Il y a eu pas mal de petits trucs qu'on a entendus sur le moment et qui au final sont très explicables. D'autres qui à l'inverse ne sont pas explicables et heureusement on les a pas vus sur le moment, sinon je pense que j'aurais bien badé de mon côté. Je vais remettre dans l'ordre chronologique. Bon, je me devais de garder une certaine authenticité par contre au niveau des images, laisser les images un petit peu brutes. Je pouvais pas me permettre de mettre trop de musique, trop d'effets, j'ai dû laisser le truc un petit peu tel quel. J'espère que c'était pas trop chiant pour vous. Avant ça, ouais voilà, je donne des nouvelles du détecteur EMF que j'avais filmé en début d'enquête et que j'ai pas filmé par la suite. C'est vrai que David et Tristan ont fait leur enquête pas mal de leur côté, moi j'étais plus avec Lorenzo. Il n'y a pas eu d'affolement au niveau du détecteur EMF, hein, et c'est ce qu'ils m'ont dit en tout cas, rien de significatif. On va boucler assez rapidement tout ce qui est preuve visuelle, c'est vrai que c'est celle qui marque le plus. Là pour le coup, tout ce qui pourrait porter à confusion, c'est très facilement explicable. Certains reflets, je vous mettrai les passages en question, parce qu'il faut avoir l'œil. Moi c'est vrai qu'en analysant les séquences, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Si vous en voyez d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, hein, moi j'ai peut-être pas tout vu. Mais donc il y a certains reflets, notamment quand on est au début et que David parle un petit peu du bâtiment. Pareil quand je suis avec Lorenzo et qu'on rentre dans le grand hangar. Faut savoir que c'est fort probable que ça soit des reflets de nos propres lumières en fait, hein. Faut pas prendre ça pour du paranormal. Pareil pour les particules, c'est flagrant quand on était du coup au sous-sol dans le cinéma avec Lorenzo, une lampe du coup frontale comme ça qui éclaire en direct, bah forcément la moindre petite pétouille qui passe devant l'objectif, on va voir qu'elle parce que le fond va être noir et ça va être éclairé par lumière directe. Pareil pour les reflets, ça peut venir de n'importe où, surtout quand on est avec des sources ponctuelles comme les lampes qu'on avait sur le terrain. C'est vrai que voilà, on peut vite interpréter et se dire que voilà, là il y a quelqu'un qui est passé dans l'arrière-fond alors que c'est juste un flair ou un objet sale. Toujours dans les éléments visuels, il y avait pas mal de bruit thermique. Donc ouais, je vous disais, on était dans des situations lumineuses assez compliquées et certains rushs étaient malheureusement mal éclairés, hein, ça c'est ma faute, mais du coup j'ai dû pousser l'exposition en post-production. Quand on est à des rushs comme ça où les ISO sont déjà pas mal montés, forcément on a ce qu'on appelle du bruit. Alors vous inquiétez pas, hein, je suis toujours dans la partie effet visuel. Ça s'apparente à du grain en argentique, à des trucs comme ça, des images un petit peu dégradées où il y a pas mal de bruit, c'est plus susceptible d'accueillir des artefacts ou des conneries dans le genre qui pourraient être très vite interprétées. Alors autant moi j'ai une formation dans la création d'images, autant dans le son je suis éclaté. Donc s'il y a des mecs qui statent un petit peu en son et qui ont des explications aux phénomènes qu'on a entendus lors de cette nuit, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Tout de suite, la première chose qui m'a frappé, c'est en écoutant les rushs quand on est entré dans le hangar avec Lorenzo. Une voix, alors c'est une voix aiguë, c'est pour ça que j'élimine tout de suite l'hypothèse du mec qui vivait sur place, parce que oui, il y avait un gars et on lui a parlé l'après-midi, c'était un vieux renois costaud, enfin clairement s'il se mettait à chuchoter derrière le mur, ça faisait pas ça comme bruit. Là on entendait une sorte, voilà, une femme ou un enfant, je sais pas, qui parlait normal, hein, pas volonté de faire peur, mais quelqu'un qui parlait au loin. Sauf que voilà, c'est un spot qui était vraiment isolé, il y avait personne autour. Je me dis que c'est peut-être un phénomène totalement explicable, de la même manière que moi je vous explique le bruit thermique ou les lens flares. Mais du coup pour le son, voilà, moi j'ai pas le vocabulaire adapté ni les connaissances qu'il faut, donc n'hésitez pas à me corriger. Ah oui, on a aussi pas mal de gravier, alors ça pour le coup ça m'a pas trop stressé parce qu'on est dans des salles très grandes qui résonnent, le moindre petit bruit est amplifié. Pour vous ça devait pas être évident parce que vous aviez je pense du mal à faire la distinction entre nos bruits, entre le plancher qui grince, quand on bouge nos pieds, et les bruits externes. Bon, nous on faisait très bien les différences, ne vous inquiétez pas.
Ensuite. Quand on est descendu du coup dans le cinéma, on a essayé pareil, hein, même procédé, on a allumé le microphone, on a regardé un petit peu, et au-delà de la petite frayeur que m'a fait Lorenzo, le truc qui m'a fait le plus flipper, c'est quand il s'est barré. Moi je suis resté un petit peu pour installer mon stabilisateur, changer d'optique, bref, me mettre à jour au niveau du matos. Du coup je suis resté dans ce sous-sol tout seul et c'était assez flippant parce que du coup il y a eu un bruit de tôle suivi de bruit de pas. Enfin ça c'est vraiment quand j'augmente le son, je vais vous le remettre en augmentant le gain audio. On reconnaît clairement quelqu'un qui tape dans de la tôle et qui marche après. Ce qui est flippant, c'est que ça intervient dans le laps de temps où je demande s'il y a quelqu'un. Je demande s'il y a quelqu'un et le bruit arrive après. S'il y a un bruit dans ce laps de temps, clairement c'est ça qui fait le plus flipper. Et là, ça a été le cas, donc j'étais pas serein du tout. Mais bref, facilement explicable par le mec qui vivait sur place, parce que pour le coup là on était plus dans son secteur. Juste après, on a croisé Lorenzo qui m'a dit qu'il lui avait parlé, qu'il l'avait croisé et qu'il s'était inquiété du coup. Parce que c'est vrai qu'avec leur grosse light ça a pu effrayer le mec. Ce que je trouve bizarre c'est que, quand je pose la question, rien ne l'empêchait de lui dire oui c'est moi je suis là. Sauf que personne n'a répondu et j'ai entendu ce bruit juste après. Donc bon, c'est pas rassurant mais encore une fois c'est explicable. Surtout quand on voit voilà, les grosses lampes avec lesquelles se trimballe toute l'équipe. En parlant de lampes, voilà, il y a eu une petite couille avec la lumière de Lorenzo. Avec du recul, elle a retesté sa lampe et il s'avère qu'elle fonctionne très bien. Il l'a rechargé, elle fonctionne. Sur le moment je troll un petit peu, pour moi c'était anodin. J'ai pensé à l'hypothèse du froid. Et quand il fait froid, voilà, les batteries peuvent se décharger bien plus vite. Là on est à La Réunion hein, pour le coup, même si c'était en plein milieu de la nuit, il faisait bien 20 degrés. Donc voilà, ça explique pas du coup pourquoi la batterie s'est arrêtée d'un coup. Je pense que l'hypothèse du froid peut être éliminée. Pour le circuit, ça suffit pas pour dire que c'est un événement paranormal hein. Ce qui m'a mis dans le stress sur le moment, c'est la caméra thermique hein, vous l'avez vu, c'était un petit truc qui s'est mis à bouger sur l'écran de la caméra thermique. Au final j'ai trouvé une explication rationnelle, c'est qu'en fait on était dans un hangar avec des fenêtres et comme je vous l'ai dit du coup la température à l'extérieur était plus froide que la température à l'intérieur et tout simplement je devais viser une fenêtre, voilà, une sorte de carré, je bougeais le viseur pendant, on s'en rend pas compte parce que j'ai éteint ma lumière pour accentuer l'effet d'immersion mais sur le moment j'ai dû voilà pointer une fenêtre et elle a dû bouger du coup sur l'écran. En fait ce qu'on voyait ne bougeait pas, c'était simplement une fenêtre plus froide que le reste du décor. Encore une fois c'est explicable. Pour retourner un petit peu dans les bruits, c'est arrivé quand on était aller à l'étage du coup on a entendu un bruit moi que je pensais du coup d'un petit rongeur qui se trimballait sur le toit parce qu'on avait vu pas mal de tangs, des sortes de souris mis opossum, un truc dans le genre. C'est un bordel dingue clairement pendant la nuit, moi j'ai dormi dehors et je peux vous dire que je les ai entendus. Moi je pensais que c'était un animal qui marchait sur le toit en tôle sauf qu'en fait il y avait un étage, on est allé à l'étage. Et en allant à l'étage, on a entendu un gros boom. Voilà, ça fait plusieurs petits bruits qui s'accumulent, qui peuvent du coup faire un petit peu stresser et porter à confusion. Faut pas oublier quand même qu'on est dans la jungle et que forcément il y a des bruits un peu de partout. Il y a quand même un truc qui s'est passé du coup pendant la nuit, c'est un petit vlog nocturne à 3h du mat. Faut savoir que du coup c'est une des premières fois que ça m'arrive et une des premières fois que je filme un événement dans ce genre. J'étais en pleine crise de somnambulisme. Quand j'ai revu les rushs le lendemain, je me suis senti mais tellement con. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je raconte? Impossible qu'il y ait un mec dans les buissons, que comment je l'aurais vu sans lumière, et le temps que j'allume mon flash, le mec se serait barré. Enfin bref, ça avait vraiment pas de sens du tout. Et surtout, je me souvenais très peu d'avoir vlogué ça, d'avoir filmé. Quand j'ai regardé les rushs, j'ai fait, mais attends, mais je dormais en fait. Plusieurs jours plus tard, j'ai refait des crises de somnambulisme, où je me réveillais en racontant que de la merde, mais absolument sûr de moi. Voilà, j'affirmais des trucs qui étaient complètement débiles, mais j'étais sûr de moi, je pouvais mettre mes deux couilles à couper que ce que je disais c'était vrai. Je pense tout simplement que j'étais en train de dormir, voilà, parce que j'ai le souvenir encore, hein, comme un rêve, un souvenir un peu flou de ce mec accroupi dans les buissons comme ça à me regarder dormir, trop chelou. J'ai passé une nuit bien flippante, pourtant j'en ai fait un des bivouacs, même dans Central Park j'ai pas autant flippé des mecs un peu chelous qui tournaient autour de mon bivouac. Je trouve ça très drôle d'en avoir une trace. Alors maintenant dès que je fais des crises de somnambulisme, mes potes me filment, mais là du coup je me suis filmé de moi-même. Alors je pense pas que cette nuit je me sois fait marabouter par qui que ce soit, que ça ait déclenché du coup du somnambulisme. Je pense juste que c'est depuis que je suis arrivé sur l'île, j'ai une nouvelle façon de dormir, je dors en hamac toutes les nuits, donc forcément ça a dû changer quelque chose dans mon sommeil. Bref, des petites voix qui parlent, un esprit qui me possède pendant la nuit et un mec qui vit sur place qui essaye de nous jouer de mauvais tours. C'était une nuit à mon avis plutôt normale pour l'équipe de Spectra qui a l'habitude de ce genre d'enquête paranormale. Pour moi c'était une première et franchement j'ai bien kiffé. Je pense que je le referai, on va essayer de faire d'autres vidéos avec eux, donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne YouTube pour voir surtout comment eux ils ont analysé leurs résultats. En attendant, n'oublie pas le pouce bleu, le commentaire, on s'abonne et surtout on partage en story là, et puis on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Et me dis pas que ça filme et pas.